Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la procédure de réinitialisation donc, suite à la vidange. Donc là c'est sur un grand C4 Picasso, un Citroën. Bon, c'est une procédure qui est commune sur pas mal de véhicules, surtout sur la gamme française, donc les Peugeot, les Citroën et d'autres modèles de véhicules également. Donc en fait moi je fais cette manip suite à ça. Donc vous pouvez voir sur l'écran à ce niveau-là, donc j'ai la petite clé en fait qui est allumée à ce niveau-là, ce qui veut dire que je dois faire mon entretien. Donc voilà, moi j'ai réalisé mon entretien. Je vais maintenant donc remettre à zéro l'ordinateur de bord et donc réinitialiser la donnée pour que ce soit enregistré dans l'ordinateur et donc qui calcule la nouvelle échéance à suivre. Donc comme vous pouvez le voir, donc à droite du compteur, vous avez deux boutons. Donc vous avez un bouton avec 3 zéros qui correspond à la remise à zéro du compteur. Donc en fait, ce bouton-là va nous être utile pour remettre l'entretien à zéro. C'est relativement le même principe comme je vous disais sur d'autres véhicules. Alors des moments le bouton n'est pas le même, le bouton sur les anciens véhicules et au niveau du compteur vous avez un bouton de remise à zéro, par exemple sur les Peugeot c'est le bouton de remise à zéro et au niveau du compteur, mais c'est exactement la même manip dans tous les cas, là c'est juste le bouton qui diffère, mais c'est exactement le même principe pour pas mal de véhicules en fin de compte. Bon, je vous précise également qu'à la mise sous contact, le chiffre qui clignote à ce niveau-là, c'est le temps depuis lequel vous, enfin du moins là, c'est le kilométrage depuis lequel vous avez dépassé la vidange. Donc là, elle avait été dépassée de 700. Donc, je reprends la manip. Donc, comme je vous disais, on est donc contact coupé. Donc, on vient appuyer sur ce bouton, on reste appuyé et simultanément, on va mettre le contact. Donc, je suis bien appuyé et en même temps, je mets le contact. À ce niveau-là, vous pouvez voir en bas, il y a un petit décompte qui est en train de se faire. Une fois que le décompte est arrivé à zéro, la remise à zéro est effectuée. Donc là, on peut relâcher le bouton. Ce qu'on va faire, on va donc maintenant couper le contact. Donc on coupe le contact et on remet le contact. Et là, vous pouvez voir que maintenant, le kilométrage est donné pour 20 000 km. Donc l'entretien est réinitialisé. L'échéance est rentrée dans la gestion moteur, dans le calculateur moteur. Et vous êtes reparti pour 20 000 km. Voilà, j'espère que ce tuto a pu vous être utile.